yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Salut les Breakers, très content de vous retrouver ici au Challenger 125 de Saint-Tropez. Je suis arrivé hier, là on est dimanche, donc je suis arrivé samedi. Le B est arrivé ce matin tranquille. Voilà, donc je suis qualif ici, le tableau c'est d'une force, j'ai jamais vu ça. Le tableau, au premier tour, il y a Hugo Humbert qui est combien? Il est combien? Je sais pas, 30. Ouais, peut-être par là. Contre Liam Brody, 103, qui n'est pas tête de série. Il y a 103e mondial. Donc c'est un truc de fou. C'est très très relevé. Donc je suis en qualif, je suis tête de série numéro 2. Je joue un russe. Je ne pourrais pas dire son nom de famille parce qu'il est. Il n'est pas prononçable. Je ne sais pas combien il est, 700 ATP, je crois. Je joue en 3ème rôle sur le central, donc vers 13h. J'ai mangé un petit peu de riz tranquille là. Là, échauffement, mobilité. Ensuite, échauffement avec Marc Lajal sur le court, une petite demi-heure. Et puis après, il y aura le match. Je joue dans un match. Donc voilà les breakers. Donc ils ont affecté tous les joueurs sur à peu près 13-15 hôtels différents. Donc il y en a qui sont comme moi dans des hôtels un peu classiques. Il y en a qui sont au Biblos, donc là c'est 1 200 € la chambre, la nuit. Donc voilà, donc on n'est pas trop logé à la même enseigne, ça c'est un peu chiant. On n'est pas dans la même condition. Je suis même pas sûr si je me qualifie, je suis dans le tableau, si je suis au Biblos, je suis pas sûr. Bon bref, peu importe, on fera avec. L'hôtel, t'as 1 minute par contre du site, ça c'est bien. J'ai la voiture bien sûr. Et c'est sûr dur le tournoi, les terrains sont lents, classique, c'est bien. Dommage pour se qualifier dans le tableau final. Le qualif égale 5 points ATP. Donc voilà, le tableau sorti, je sais pas qui je voulais qualifier, mais j'ai pas regardé, mais bon, on verra si je me qualifie bien sûr. Le B, tout va bien? On est au top. J'ai tout dit? Ouais. J'ai tout dit, je te dis, voilà. Les breakers, on filme ça, écoute, à tout de suite. Sur lui parce que Eliakim Koulibaly l'a joué. Du coup, c'est un genre de contre, il joue du fond du court, il monte pas à la volée, il attaque pas trop, meilleur revers à plat et en coup droit un peu moins fort apparemment, service pas fou. Mais voilà, il fait zéro faute, il contre, donc il doit être chiant à jouer. Surtout moi que j'aime bien quand on m'attaque et quand il y a du rythme. Donc voilà, au revoir, commencer. Pablo Morillas, voilà, Pablo Morillas est venu me voir. Incroyable ce joueur. Il s'est envoyé à 21 km ce matin, donc là il est frais. Donc voilà, donc à voir. J'ai aussi reçu des questions sur Instagram, comme quoi, pourquoi je suis pas allé en Chine, parce qu'il y avait une tournée de 7 tournois là-bas. Et c'était effectivement beaucoup moins fort. J'aurais été tête de série dans le tableau presque à chaque fois. Pourquoi? Parce que en fait, avant que la liste sorte, on ne sait pas si ça va être fort ou faible. Donc par exemple, si je m'inscris là-bas et que c'est ultra fort, ben, j'ai pas le choix d'aller là-bas. J'ai pas le choix que d'aller là-bas. Donc voilà, et puis surtout c'est à l'autre bout du monde. Voilà. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus faible et qu'il y a beaucoup plus de chances de faire de meilleurs résultats par rapport à ici où le niveau c'est limite comme un ATP quoi. Donc voilà. Et puis surtout ici c'est à 1 heure de route de chez moi, donc c'est un peu plus simple, plus pratique. Mais effectivement, la Chine aurait été mieux pour. Ben voilà, tête de série en tableau, c'est quand même mieux quoi. Bon, voilà. Voilà les breakers, ça fait 6-4-4-4 sur mon cours. Je joue juste après, donc soit dans un quart d'heure, soit dans 1h30 quoi, en fonction du match. Allez, à tout de suite.
Allez, c'est parti. Premier tour des qualifs ici à Saint-Tropez, au Challenger 125 contre un Russe. Allez, je sers en premier. 1-0. Très bon premier jeu de service. À voir comment lui, il est aussi. Ouais, très bien ça. Ah, dommage. Dommage, en tout cas, en coup droit, c'est pas mal pour l'instant. Il fait très humide, hein. 85% d'humidité, on transpire énormément. C'est très rare que je transpire comme ça, je suis pas du tout habitué. Bien ce revers là. Allez, faut finir. Ouais, parfait. C'est un joueur de contre, hein, comme je l'ai sûrement dit, donc il y aura énormément d'échanges. Ouais. Alors on m'a dit qu'il avait un meilleur revers. Allez. Et il y a eu break, 2-1 pour lui. Un peu surpris du coup, parce que je ne m'attendais pas à faire breaker aussi rapidement. Allez, très bien joué ça. Et 2-2, je débreak direct. Allez, bien joué. Ouais, bien touché. Allez, rebreak pour lui, 3-2. Et du coup, ce genre m'embête un petit peu. Il donne pas trop de rythme. Alors là, on met vraiment voilà, que les highlights. Donc effectivement, dès qu'il monte au filet, on le met, mais il monte rarement au filet. Bon là, clairement, voilà, il monte au filet. Il monte rarement au filet, c'est un genre de fond de cours. Il donne pas trop de rythme, pas très puissant. Et du coup, c'est à moi de faire le jeu. Et là, j'ai un peu de mal. Et notamment, j'ai un problème, c'est que bah, vu qu'on transpire énormément, en coup droit, ma main glisse du manche à cause de la transpiration. Et du coup, j'ai un peu de mal à, comme là par exemple, j'ai un peu de mal à faire mes coups droits, à les lâcher en tout cas. Et lui par contre se lâche complètement, il joue très très bien pour l'instant. C'est un joueur qui a pas trop de. Qui a pas d'énormes résultats en futur, hein, qui vient de perdre 6-3, 6-0 contre un Français qui est plus de 1000. Mais bon, voilà les jeux. Hein. C'est des jeux qui peuvent embêter plus que d'autres. Et 6-2 pour lui. Allez, donc là, il va falloir se battre. Hein. Il va falloir mieux jouer et se battre, clairement. Ouais. J'ai loupé 2 balles de break, dommage. Ça aurait été bien de faire 2-0. Allez, je suis dedans quand même là. Pff, ouais, franchement, il joue bien pour l'instant là, rien à dire. Hein. Ouais, beau passing. Ah, elle est belle. Allez, 3-2, 30A. Allez, il y a un truc à faire là. Allez, faut se réveiller là, faut mieux jouer. Oh là là, belle volée, hein. Pff, rétro. Incroyable. Ouais, c'est bien ce coup droit là, allez. Ouais, super. Allez, joue un peu mieux là. Va falloir breaker. Ouais,
bien joué, rien à dire. Et voilà, pas mal du tout ce joueur. Hein. Un très cool retour là. Ouais, magnifique. Allez, 4-4, là, money time. Ouais, elle est belle. Elle est importante de prendre ce point, 40-30 là. Pas aller à 40A. Allez. Ouais, parfait, c'est en avançant. Allez, 5-4, c'est bien. Reste dans la partie, balle de 7. Ah. Oh là là, ouais. Chaque fois il sert bien, il en profite pour monter. Tactiquement, c'est très bien joué. Elle est bonne. Et j'ai pas pris la balle de 7. J'en ai loupé 3. Ah oh ouais, elle est belle, hein. Beau contre-pied. Et 5-5. En tout cas, sur mes jeux de service, ça va pas mal. Hein. Allez, 6-5 là. On va essayer d'éviter d'aller au tie-break. Il faudrait essayer de faire un truc. Allez! Ouais, bien joué. Il y a pas mal devant aussi, hein. Condition vraiment pas évidente, hein. Beaucoup d'humidité, beaucoup de vent. Allez, ouais, super. Allez, balle de 7. Ouais, 7, il faut la prendre. Un peu court ça, attention. Allez, fais-le bouger. Tiens là, joue bien long, un peu court ça. Faut trouver des longueurs là. Allez, je m'en sors. Allez, troisième set. Allez, faut tenir, parce que là, physiquement, c'est dur. Il y a beaucoup d'échanges à chaque fois. Super, ça, magnifique prise de balto. Pleine diagonale. Allez. Allez, contre... Oh, il est resté du bon côté, incroyable. Ouais, rien à dire. Un partout. Bien joué. En tout cas, il court beaucoup, là. Ouais, je suis resté du bon côté. Nickel. Allez, faut prendre ce jeu. Faut faire 2-1 absolument. Oh là 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 là. Super. Ouais, nickel. Et je sens quand même que physiquement, là, il y a un truc qui court bizarrement. Il court bizarrement, je trouve. Pas aussi fluide que le début. Ce qui paraît être normal. Hein. Mais je pense qu'il est en souffrance, la physique. Ah ouais, il y a un truc. Je pense qu'il a des crampes.
Allez, 3. Super ça, super contre. Allez. Parfait, il a des crampes. Enfin, parfait. Parfait le point et il a des crampes. C'était pas lié. Ouais, il a des crampes. Donc là, je pense qu'il va appeler le kiné. Il peut plus bouger, ouais. Ah la vache, ouais. Et on transpire beaucoup. Du coup, on perd énormément de toxines. Et donc, c'est pas anormal de cramper, hein. Un peu comme à Ajaccio d'ailleurs, on transpirait beaucoup et le match contre Koulibaly et Marmouzé, ils ont crampé tous les deux parce qu'on perd beaucoup d'eau quoi. Et bon, bah là, clairement, ça va être compliqué. J'ai pas l'impression qu'il veuille abandonner. Ouais, parfait. Du coup, il lâche son bras et il revient à 40A. Et il fait 4-2, il gagne son jeu. Amorti, ouais, pas bête. Le faire courir, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Allez, jusqu'au bout. On va essayer de jouer intelligemment, là. Voilà, le faire courir, des contre-pieds, etc. Et balle de match. Allez, victoire, on s'en sort bien les Rakers. Bon, victoire les Rakers. On est en récup active sur le vélo. Récup active. Qui dit récup active dit retour veine Baptiste. Victoire dans la difficulté contre un joueur qui est 700, un russe qui a pas de très bons résultats, mais il a le jeu parfait pour m'embêter un peu. Il joue en contre, il joue pas très fort, pas très vite, et c'est à moi de faire le jeu du coup. Et du coup, ça m'a bien embêté, surtout qu'en plus, il fait très humide ici. C'est quoi 85% d'humidité ? Ouais. Et du coup, je transpire énormément, et ma main transpire, et ma main, quand je tapais fort en coup droit, ma main, elle se barrait du manche de ma raquette. Du coup, je faisais beaucoup de bois en coup droit, j'arrivais pas à transférer, j'étais pas très bon. Et du coup, bah, c'est un peu problématique, quoi. Et bon, je prends 6-2 au premier, franchement, un peu abasourdi. Bon, voilà, je me bats, je reste dans le deuxième. Voilà, puis finalement, j'arrive à le breaker, finalement. Et puis 7-5. Et au troisième, la bataille, à 3-1, je crois qu'il commence à cramper. Il commence à cramper. Et puis, je m'en sors, c'est quoi, 6-2 au troisième. Voilà, après, à 4-1, il pouvait presque plus jouer, presque. Donc voilà, donc là j'ai clairement gagné, pas grâce à mon tennis, hein, grâce un peu à, voilà, au mental, physique. Mais bon, on sait très bien qu'à ce niveau-là, c'est pas que le tennis, hein, loin de là, c'est plus les autres domaines, hein, physique, mental. Donc voilà, donc super content d'en être sorti. Je rejoue demain contre Kyrian Jacquet, qui est 290, je crois, qui a très bien joué là récemment sur terre battue. En challenger, il a fait finale contre Quentin Alice, je crois, à Blois. Voilà, il joue très bien, ce sont ses premiers tournois sur dur là, donc à voir comment il va se sentir aussi, hein. Il a gagné facile tout à l'heure, la récup, après on rentre à l'hôtel tranquille, et puis voilà, je vais voir s'il y a peut-être un masseur ou quoi là, dans le coin, ça serait pas mal quand même, parce que je me sens bien en vrai, je me sens quand même bien, les cours sont bien, les balles sont bien, tout est nickel, donc de bonnes conditions pour jouer, voilà, il faut juste s'adapter un peu à la température et l'humidité là. Donc voilà, les Breakers, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, on est à la chambre, on a mangé avec Constant Lestienne ce soir, on n'a pas pris la cam, c'était un peu galère dans son truc, etc, bref. Donc voilà, c'était bien sympa, du coup là, dodo, il est 23h, demain match en deuxième rotation à partir de 10h, donc vers 11h30, contre Kyrian Jacquet pour la qualif. Donc voilà, pour prendre 5 points ATP, donc c'est important, il va falloir bien jouer. Mieux jouer qu'aujourd'hui, c'était, pas top, notamment en coup droit, alors que c'est mon point fort depuis un mois.
Donc il va falloir que je bosse avec mon coach qui est derrière la caméra, Baptiste Dupont, des petits paniers là. C'est demain là, faut qu'on fasse ça mec, pour que je sois bien. On va le faire. Donc Karen qui joue très bien, je crois que j'ai déjà dit, je sais pas trop, hein, meilleur, enfin bon revers à plat, il est assez puissant, assez assez fantasque parfois, il peut prendre la balle tôt, jouer à plat, mettre un winner, avoir côté coup droit commencé, parce qu'à plaisir, il a fait beaucoup de fautes sur ce côté-là. Il peut bien servir aussi à plat, voilà, il court bien, il défend bien, il fait des petites glissades en défense et tout, donc voilà. Voilà, à voir, hâte de jouer, c'est un beau challenge. C'est tous les breakers, évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. La petite cloche et le petit pouce pour liker la vidéo s'il vous plaît. On se revoit dans 3 jours pour l'hommage à la calife. Salut tout le monde.